L'aménageur va avoir un rôle particulier puisqu'il est en charge de fournir l'alimentation en eau potable. Pour alimenter en eau potable sa population, il dispose d'un forage profond installé au début du jeu et d'un réseau qui apparaît ici sous forme d'un trait continu marron, hein, qui en fait alimente en eau potable toutes les cartes habitants, c'est-à-dire au nombre de 3. Voilà. Si vous suivez le réseau d'alimentation en eau potable, il aboutit aux cartes gérées par les habitants. Alors, comment se passe le pompage? Eh bien, nous le verrons dans une prochaine vidéo.